Mercato FC Barcelone, c'est du sérieux entre Haaland et le Barça. Tous les détails dans cette vidéo. Salut les footers, bienvenue sur la chaîne. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Notre Instagram et notre Facebook sont en description. Allez nous follow. Objectif de la semaine, les amis, 30 000 abonnés. Alors toi, frérot, toi, sœur qui regarde cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour être signifié en temps réel de nouvelles actualités. Ton abonnement, il est capital, il est très important. Merci à toi qui le fera. Merci à vous tous qui le ferez. Question. Pensez-vous que Ferran Torres a le niveau pour être titulaire indiscutable au FC Barcelone? Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti. Le FC Barcelone s'est fixé comme priorité de recruter Erling Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund pourrait relever un nouveau défi la saison prochaine. Explication. À l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland devrait être l'un des hommes à suivre lors du prochain mercato estival. Le jeune joueur norvégien s'interroge sur la suite de sa carrière au Borussia Dortmund. Désireux de remporter des titres sur la scène européenne, l'attaquant penserait à quitter la Bundesliga à la fin de la saison et à rejoindre un club plus huppé. Comme nous vous l'avons annoncé dans les précédentes vidéos, le Paris Saint-Germain pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé. Le Real Madrid et Manchester City sont aussi annoncés sur les traces d'Erling Haaland. Haaland, priorité du Barça. Mais le Paris Saint-Germain va devoir aussi se méfier du FC Barcelone. Le club catalan, qui vient de trouver un accord de sponsoring avec Spotify, s'est donné pour priorité de recruter Erling Haaland lors du prochain mercato estival. L'objectif le plus important du Barça pour la période estivale est le transférer Erling Haaland, a confié Gabriel Sand, journaliste pour Mundo Deportivo, dans un entretien accordé à Radio Sport. C'est du sérieux entre Haaland et le Barça. Que pensez-vous de cette nouvelle actualité Haaland au FC Barcelone? N'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. En tout cas, merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos Instagram et notre Facebook sont dans la description. Allez nous follow. Et on n'oublie pas, objectif de la semaine, les amis, 30 000 abonnés sur la chaîne. Abonne-toi, abonnez-vous, abonnez-les. Merci à vous tous qui le ferez. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour d'autres actualités football. Toujours aussi intéressantes sur la chaîne. Ciao.